c'est pour une demande de chambre. Je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? Votre âge? Avez-vous une situation professionnelle? Oui. C'est pour une période de combien de temps pour la chambre? C'est pour un couple ou tout seul? En couple, d'accord. Et ça serait pour quelle période? D'octobre à juin 2017. Je vous remercie. Au revoir, à bientôt. Alors, pour être admise chez nous en tant que voyageur passager, il faut avoir plus de 18 ans, avoir une pièce d'identité et être à la recherche d'un travail. Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? On va vous accorder une dérogation, puisque visiblement vous avez plus de 30 ans. Est-ce que vous avez le nécessaire, les documents? On a tout perdu, on n'a pas de papier, on est... On va s'en occuper, on est optimiste, on est prêt à tout. Ce dans quoi vous voulez vous lancer me semble une entreprise difficile. Il va vous falloir une énergie considérable. Vous la sentez en vous? Absolument, absolument. Oui, oui. Mais pourquoi vous voulez travailler à Hérouville? Pour avoir de l'argent. Pour. Moi, je voudrais être un panda parce que tout le monde t'aime. Moi, je voudrais être un loup parce qu'on est toujours en meute et on n'a pas de loi. Moi, je voudrais être un aigle royal. Comme ça, je pourrais aller où je veux en volant. Je voudrais être une mouette pour chier sur les personnes que j'aime pas. Moi, je voudrais être un chat parce que je trouve que c'est connecté à l'humain. Moi, je voudrais être un lézard pour être toute la journée au soleil. Sans arrêt. Bah ça, c'est les résidents. Oui, ils n'arrêtaient pas de passer. Quand même, toutes ces questions, on est quand même résidents passagers. Je parle d'un titre, hein, franchement. Oh! Alors, en fait, on vous a trouvé un travail. Ah bon? Si, et il faut commencer aujourd'hui. Mais c'est formidable. C'est un contrat d'intérêt, mais c'est toujours ça. Ah oui, ah bah c'est merci, merci super. C'est super. On y va tout de suite là. Oui, c'est maintenant par contre. D'accord. Ah, formidable. Merci. Attends, parce que toi tu travailles pas, moi je fais que tout le côté là. C'est ça, toilé? Mais non, c'est entoilé déjà, on est déjà entoilé là. Hop, et on repart là-bas. Mais tu remarches dans le mouillé, là. T'as pas mis de culotte? Non, j'aime pas les culottes. Les culottes, ça ne va pas. Tout le monde aime les culottes. Je suis pas tout le monde. Moi, je suis très contente de ce travail. Ouais, c'est bien. C'est le tour. Puis on n'est pas fatigué, je vois ce que tu dis. Mais on n'est pas au théâtre, là. Excusez-nous. Mais vous travaillez au théâtre, hein? Oui. Bonjour, mesdames. Oui, on a joué, nous, ici. Vous avez joué ici? Oui, on a joué. Let's go. Vous vous rappelez pas, Let's go? L'affiche, on était comme ça. Là, on était là. Non. Ah si, vous nous avez vus, on a joué. Moi, je me souviens de vous dans la salle. Déplace le ciel, déplace le ciel. Mais non, pas du tout. Vous faites les billets. Oui. Il y a une trace, il y a les billets, les programmes. Non, il y a bien un petit programme, il y a un prospectus. Non, on a plus de 40 spectacles, on a aucune trace. Mais enfin, on a joué ici. Mais oui, mais on ne peut pas tout le temps jouer, il faut aussi travailler. Bon, on ne nous voit pas. Je ne comprends pas pourquoi. Bizarre, tu ne trouves pas? Ouais. T'as vu, c'est des cantinières. Bah ouais. Elles sont bizarre, comédiennes. Ouais. Mais ça se trouve, elles ont joué ailleurs et puis elles pensent qu'elles ont joué ici. Tout à fait, ouais. Des fois, je regarde les gens et je me dis, mais comment ils font tous? Vraiment, comment ils font? Ils ouvrent des portes, ils descendent des escaliers, ils achètent du pain,
Ils mangent, ils parlent. Ils dorment. Ils dorment.